pour tes bontés dans ma vie et ta grâce. Reçois ma louange. Dis-moi un Dieu pacifique pour tes dimensions. Mettez-nous debout, nous allons lire la parole, le psaume. Nous prenons le psaume chapitre 11. Psaume chapitre 11, nous disons la parole de Dieu. C'est à l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils agissent l'air fraîche sur la corde, pour tirer dans l'ombre ceux dont le cœur est droit. Car les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sont de les fils de l'homme. L'Éternel sont de les justes. Il y est le méchant et celui qui se plaint à la violence. Il fait prévoir sur les méchants des chardons, du feu et du soufre. Et un va brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel aime le juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Amen, amen. Fais de moi un témoignage. Si c'était imprimé à ton image, oh mon sauveur, je vais témoigner toute ma vie de la grandeur de ton nom, Seigneur.
des tonnes. Ton amour pur et saint, pour que je puisse aimer mon prochain qu'à ton faut plus que tout les trésors de la terre. Seigneur, assis pour près du moment, la donnera, je vais t'essayer toute ma vie jusqu'à ton retour, Seigneur. Oui, notre Père, tiens-nous réellement par ta main puissante et glorieuse. Nous voulons persévérer à pouvoir vraiment te servir dans ce bas monde jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. C'est vraiment le cri de notre cœur, le désir profond de notre âme. Nous vivons pour cela, mon bien-aimé Seigneur, et nous désirons que tu nous tiennes encore par ta main, Seigneur, parce que nous voulons persévérer encore davantage à pouvoir vraiment te servir, à garder ce que toi, tu nous as donné, Seigneur. Puissions encore nous assister encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Dans ces temps difficiles, mon roi, nous sommes heureux de pouvoir réellement t'avoir et d'avoir vraiment un trésor merveilleux et glorieux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est vraiment ta parole et aussi ta présence à toi, mon sauveur, qui nous soutient. Tu es la lumière qui nous éclaire dans ces temps des ténèbres, Seigneur. Ou perturbation des ténèbres s'apaisantir encore davantage, mon roi. Mais nos yeux te voient, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nos cœurs t'ont reçu, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes vraiment dans la joie et reconnaissant, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Quand le monde est bouleversé et le peuple est troublé, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous sommes sereins et aussi dans la paix, Seigneur, parce que nous savons où nous allons, Seigneur, et nous savons ce que toi tu vas faire, Seigneur. Merci encore pour cette soirée, bien-aimé Père Saint-Dieu, pour les chants et les cantiques, mon roi. Merci aussi pour ton peuple assemblés en cet endroit, et ceux aussi qui sont aussi en connexion dans différents pays, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui soient aussi bénis, aussi assistés, mon bien-aimé Père Saint. Louange à toi pour notre Père Saint. Que tu sois béni, bien-aimé Père Saint-Dieu, Zachée, mon roi, qu'il soit protégé par toi. Nous te remercions de l'avoir vraiment soutenu aussi, inspiré, Seigneur, et protège-le encore davantage, mon roi. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Merci aussi pour la chorale, bien-aimé Père Saint-Dieu, pour les enfants qui te chantent tous les jours, bien-aimé Père Saint-Dieu, qu'il soit aussi béni et protégé, mon sauveur. Nous nous résistons encore pour ta bonté, pour ton amour et ta grâce, Seigneur, oh Dieu. C'est que ce soir, nous sommes rassemblés en ces lieux. Oh, tu as touché nos cœurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sentons réellement cette bénédiction, sentons réellement cette joie. Sois béni, Père Saint-Dieu. Cette paix dans notre cœur, mon roi, que tu as réellement donné, Père. Sois béni pour ce moment, Père Saint-Dieu. Merci pour le psaume, merci pour tout, Père, car nous avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Qu'il vous bénisse richement. Amen. Qu'il vous fortifie. Vous pouvez vous asseoir. Nous réjouissons toujours de la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir nous retrouver ensemble. Et surtout de pouvoir aussi se souvenir de tout le bienfait qu'il nous a aussi accordé. C'est vrai, les bienfaits de notre Dieu à notre endroit sont vraiment innombrables. Et lorsque nous comptons, le nombre en est tellement si grand que nous nous réjouissons de pouvoir savoir que c'est Dieu que nous prions, il est vraiment vivant et qu'il est aussi fidèle dans sa parole. Effectivement, il accomplit ce qu'il a proclamé et qu'il a aussi déclaré aussi. C'est pour cela que nous sommes réellement consolés. Parce que s'il n'était pas vivant, nous ne serions pas aussi dans la joie. Parce que nous prierons quelqu'un, un Dieu qui n'entend pas, qui ne voit pas et qui ne répond pas, effectivement. Mais lorsque nous le prions, que nous voyons qu'il nous entend et qu'il répond, qu'il agit aussi, alors ça nous encourage encore davantage et ça nous pousse à pouvoir encore persévérer, à réaliser qu'effectivement, qu'il veille réellement sur ce qu'il a vraiment déclaré. C'est là où nous nous accrochons davantage. Qu'il vente à l'extérieur, qu'il neige à l'extérieur aussi, que le monde soit bouleversé et secoué. Nous sommes certains de ces dieux en qui nous avons donc placé notre confiance, effectivement. Nous le remercions vraiment de tout notre cœur parce que chaque jour, nous lui implorons la grâce de conduire encore nos pas, de pouvoir nous éclairer encore davantage parce que ce que nous désirons, c'est d'être réellement
dans son plan, dans son programme, afin que nous puissions avancer avec lui lorsqu'il avance aussi dans son programme. Nous voyons que les temps et les moments dans lesquels nous vivons sont des moments tout à fait particuliers, comme je l'ai souvent dit. Et là, je crois que chacun de vous est au courant de ce qui se passe effectivement de l'autre côté, effectivement au niveau d'Israël. C'est Israël qui est vraiment dans une situation très difficile. C'est Israël qui a été effectivement attaqué, comme vous le savez effectivement aussi, comment la douleur est telle qu'on a tué des enfants, on a tué des, on a pris des, c'est vraiment terrible, en fait, de pouvoir avoir cette situation qui prévaut effectivement aussi là-bas de l'autre côté. Vous devez toujours savoir effectivement que quand ça bouge de l'autre côté, ce que vous devez quand même réaliser que quelque chose bouge. Parce que Israël, c'est comme le guidon sous l'horloge de Dieu. Donc nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons le savoir. Les nations ne comprennent pas effectivement ce qui se passe effectivement là-bas, ou quand ça bouge effectivement, ils se disent effectivement que bon, les choses sont ici parce que ceci et cela. Mais vous devez savoir qu'effectivement que nous, nous sommes liés avec Israël. Dans ce sens qu'aussi longtemps que nous sommes encore sur cette terre, notre Dieu ne traite pas encore avec Israël. Il traite donc avec donc les nations telles que nous, effectivement, comme vous devez vous souvenir que l'Écriture dit toujours la vérité, que Dieu a d'abord jeté le regard parmi les nations pour choisir du milieu des nations un peuple qui porta donc son nom. Et Dieu te bénisse. Donc un peuple qui porte donc son nom. Alors, ce n'est pas tous ces peuples qui sont là à l'extérieur, qui crient Alléluia, ainsi de suite, effectivement, mais c'est le peuple de Dieu qui croit de tout son cœur, effectivement, et qui a reçu, effectivement, son Seigneur de tout son cœur, et qui sait qu'effectivement, que dans ces temps où il vit, effectivement, Dieu travaille, Dieu le prépare, effectivement, pour que Dieu manifeste, en réalité, et témoigne qu'il est réellement dans son peuple, et quand il clôture avec les nations, c'est à ce moment-là qui réellement qui se tourne vers Israël. Alors nous disons toujours de tout notre effectivement que le Seigneur revient bientôt. Donc s'il revient bientôt, ça va aussi quand même bouger de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez bien suivi effectivement ce qui s'est passé, ce que les nombres de morts qui ont été donc perpétrés effectivement aussi au niveau de ces territoires en fait d'Israël. Ils ont dit qu'effectivement que depuis qu'il y a eu en fait la Shoah. C'est-à-dire que vous savez ce que c'est qu'un Shoah. C'est-à-dire effectivement que quand les Juifs ont été aussi tués comme ça, dispersés effectivement, et au niveau d'Israël, une chose comme ça ne s'est jamais passée de cette manière-là. Donc c'est quelque chose qui les a réveillés en quelque chose. Il faut que vous puissiez comprendre qu'effectivement, qu'il faut qu'il y ait des choses qui se passent en fait pour que le peuple de Dieu soit réveillé. S'ils étaient toujours... C'est pour ça qu'il y a eu les persécutions qui ont commencé pour que la possibilité soit donnée à ceux qui se dispersent pour que, je parle du peuple de Dieu d'abord ici, pour qu'ils puissent arriver à pouvoir maintenant reprendre la parole de Dieu à différents endroits. Et c'est pour ça que vous avez compris la Sainte-Écriture. Alors là, vous remarquez effectivement que quand ça se passe comme ça en Israël, ça réveille quand même effectivement. Je ne sais pas si vous avez aussi suivi. Je crois que il y a des partis politiques qui sont en fait dissidents. Les uns pour ça, les autres sont opposés au gouvernement qui est en place effectivement, comme dans le monde ici effectivement aussi. Donc quand le gouvernement prend des décisions, les partis qui s'opposent effectivement, ils ne veulent pas cela. Mais lorsque la situation arrive telle que celle qui vient de se passer maintenant, toutes les parties effectivement politiques effectivement là-bas en Israël se sont réunis ensemble. Il dit on laisse nos différends, maintenant on s'unit pour Israël. Ah oui, donc ils se sont réveillés. Je crois que maintenant je pense que le peuple doit comprendre que s'ils sont Israël, c'est qu'ils ont un Dieu. Donc avec maintenant cette pression qui se met autour, cette secousse effectivement commence à pouvoir réveiller encore les élans de véritables, vous savez, le peuple de Dieu qui doit maintenant chercher vraiment la face de son Dieu. Qu'il puisse réellement pouvoir maintenant sentir que non, sans Dieu, parce que, si vous remarquez très bien comment ils sont entourés, hein, entourés ici, si ces gens-là les ont attaqués, c'est parce que les Liban, les Hezbollah aussi, l'Iran aussi, effectivement, d'autres pays arabes se sont donc aussi réunis aussi, donc ils sont toujours autour. Donc ils attendent que ça pousse, effectivement, parce que le but
de ces pays, effectivement, surtout les autres qui sont à côté, effectivement, je parle des Hezbollah qui est de l'autre côté là-bas, aussi là-bas. Leur but, effectivement, c'est quelque chose de surtout aussi avec les Hamas comme cela aussi. Le but est ce qu'on puisse détruire, en fait, Israël. C'est pour ça qu'il disait qu'il faut tout faire, effectivement, pour que toute la nation d'Israël, et vous savez, avez-vous regardé sur la carte, c'est pas tellement grand, Israël. C'est pas tellement grand par rapport aux autres États qui sont tout, effectivement. Donc, on veut mettre Israël dans un étau, effectivement, aussi, pour que tous, effectivement, les désirs, c'est qu'on puisse les détruire, les éradiquer. Ils avaient essayé cela, effectivement, aussi, il y a un temps. Bon. Bref, je voulais simplement d'abord vous dire une chose. Il faut que vous soyez vraiment en paix. Vous soyez rassurés que personne, il n'y a aucune nation qui peut détruire Israël. Israël résistera, Jérusalem sera toujours à Jérusalem. Sur ce point-là, soyez-en sûrs et certains, vous pouvez avoir un sommeil tranquille, parce que c'est lui qui veille sur Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Donc il n'y a aucune nation, même si on pouvait s'élever et prendre toutes les bombes atomiques sur cette terre pour jeter sur Israël, rien ne pas se passer. Ce peuple-là vivra. Pourquoi? Parce que lorsque nous partirons, le Messie doit venir. Où va-t-il aller? Mais il doit visiter effectivement ce peuple d'Israël. C'est pour ça que, vous savez, pour qu'un peu vous rappeler quelque chose, effectivement, afin que vous puissiez être aussi rassurés, ce que les nations aussi avaient fait, tout ce qu'ils pouvaient faire pour qu'effectivement que l'État d'Israël n'existe pas. Souvenez-vous, pourquoi on appelle cela la Palestine, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle les inventions des Ottomans, de beaucoup de peuplades, effectivement, on a voulu éradiquer lorsqu'il y a eu donc la diaspora, c'est-à-dire que la dispersion, en fait, du peuple d'Israël sur toute la terre. Lorsque Titus est venu, vous connaissez cela, en l'an 75, effectivement, c'est quand il est venu, hein, vous savez cela quand même, hein, lorsqu'il a eu à pouvoir, c'est à ce moment-là qu'on a parlé de la diaspora, donc juive, effectivement, lorsque il a, le temple a été brûlé, qu'on a amené tout ça, la menorah, donc, dans, avec Titus, effectivement, et que donc, on voit tout cela aussi, donc, c'est parti, donc, là, à Rome, comme vous le savez, ainsi de suite. Donc, le peuple d'Israël était donc dispersé. Donc, pour eux, ils disaient que l'État d'Israël et puis le peuple juif ne pourra plus jamais exister. Mais dans Jérémie chapitre 31, le Seigneur a dit que moi qui ai dispersé Israël, je le rassemblerai. Et contre toute attente, effectivement, qu'on l'appelait la Palestine, donc pour que le nom d'Israël soit effacé de la mémoire, effectivement, des gens. C'est pour ça que vous voyez, effectivement, aussi la mosquée d'Omar et tout ça, et tout ce qui est, vous voyez, voir, effectivement, que le dôme de, vous savez, tout cela, qui est là, effectivement, aussi en Israël. Et alors, ils ont voulu marquer leur empreinte là-dedans pour dire que maintenant, ça devient un pays, donc, qui appartient, effectivement, à la région, donc, musulmane, arabe, comme vous connaissez, puis autrement, ainsi de suite. C'est pour ça que cette mosquée a été construite là-bas. Mais le Dieu qui avait dit que il faut absolument que je rassemblerai, donc, Israël. Donc, il dit que ce sera un témoignage aux yeux de toutes les nations. C'est pour ça que vous voyez que lorsque on a eu à pouvoir commencer à pouvoir faire souffrir, en fait, le peuple d'Israël. Vous connaissez avec Hitler, effectivement, hein, qui, lui, a pouvoir maintenant chercher à pouvoir gazer avec les nazis, effectivement, ainsi de suite. Vous connaissez combien il a tué, effectivement, aussi des juifs, ainsi de suite, effectivement. Donc, tous les juifs, effectivement, à un certain moment, se sentaient, effectivement, que ce soit en Europe, parce qu'il a conquis, avait presque conquis l'Europe, effectivement, aussi, donc, jusqu'à Russie. Donc, les juifs qui étaient en Russie étaient aussi persécutés à cause de la pression. C'était les démons. Et alors, lorsqu'il est arrivé aussi en Europe, en France, vous savez, en Belgique, il a tout conquis, effectivement, là, il est passé par là, effectivement. Donc il y a ce qu'on appelle la déportation juive, effectivement. Donc, on tuait les juifs, effectivement. Alors, tout ce qui était là, c'était au niveau de... Je crois qu'il y a eu un mouvement qu'on a appelé, effectivement, que le sionisme, je crois que vous voulez le raconter ici. Et ces mouvements étaient toujours... Donc, le but était que leur slogan était « L'an prochain à Sion ». Sion, donc, c'est le nom poétique de Jérusalem. Ça aussi, c'est écrit dans les Saintes Écritures qu'ils retourneront à Sion.
Et ça par ces mouvements, effectivement, ça commençait avec Dreyfus, en fait. Dreyfus, je vous dis ça pour que vous puissiez voir un tout petit peu comment les choses même dans le monde se développent pour simplement arriver à pouvoir, effectivement, que l'écriture soit accomplie pour Israël. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut que vous le sachiez, parce que vous êtes quand même liés avec eux. Et que notre histoire est liée, effectivement, ça, c'est quand Dieu a tourné les regards de les dos vers Israël, a tourné les regards vers nous, que nous avons reçu donc l'évangile. Vous avez compris ça? Parce que sinon, si Israël avait reçu, nous serions toujours sans espérance. Est-ce que vous me suivez là-bas? Sans espérance, sans foi, sans Dieu. Voyez-vous que Dieu est vraiment sage. Rien de ce qui se passe, en fait, dans le monde, et même là, ne peut échapper à Dieu. S'il a permis cette situation pour que les gens se réjouissent, nous sommes plus forts. Non, ils ne sont pas plus forts. Mais Dieu l'a permis pour un but, en fait. Oui, c'est qu'il y a toujours quelque chose pour lequel Dieu fait quelque chose. C'est nous qui devons donc comprendre et savoir effectivement que notre préparation doit être beaucoup plus vite parce que le temps commence à courir maintenant. Parce que si eux commencent à pleurer, qu'ils reviennent, c'est vrai bien, parce que la méchanceté des nations s'est levée, effectivement aussi, il faut que nous comprenions que nous aussi, nous devons prier, dit Seigneur, reviens. Amen. Parce que le temps dans lequel nous vivons aussi, le monde est en train de pouvoir aller dans la chute, effectivement, alors la promiscuité, toutes les choses, les vices contre nature, vous savez, non? Donc ce monde n'est plus... Donc notre désir, c'est de pouvoir rentrer donc chez nous. Nous avons notre chez nous. Nous ne sommes pas d'ici-bas, comme il dit le Seigneur. Il dit, je ne suis pas du monde, eux aussi ne sont pas du monde. Alors, mon frère et ma soeur, tu ne dois pas te plaire dans ce monde ici. Faisons tout ce que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir faire pour que nous entrions effectivement dans la position dans laquelle le Seigneur veut que nous puissions entrer. Parce que c'est dans cette position-là que nous devons être pour que quand il viendra, il puisse réellement nous chercher aussi. Donc comprenez qu'effectivement, ce qui se passe effectivement, c'est que le Seigneur a permis cette brèche afin de pouvoir, et c'est vrai, de pouvoir comprendre qu'effectivement qu'on ne doit pas faire confiance aux choses techniques, les hommes, mais on doit faire confiance à Dieu qui garde lui-même les frontières d'Israël, effectivement. C'est cela la foi. Et ce peuple doit comprendre et savoir effectivement qu'ils doivent d'abord savoir que s'ils existent et qu'on les appelle Israël, c'est qu'ils sont venus d'un père dont Dieu a eu à pouvoir parler. C'est ça. C'est-à-dire que leur existence même, effectivement, ne peut pas avoir en connexion avec le monde dans lequel nous sommes. Ce que l'existence est parce que Dieu le veut et puisque Dieu a choisi donc Sion, personne ne peut arriver à pouvoir détruire l'endroit. Parce que, vous savez, comme la Bible le dit, vous me suivez bien? Il est donc le fils de David. Si le fils de David, il doit donc régner comme roi. Il va régner comme roi, mais c'est à Jérusalem, là où il doit descendre effectivement, et là régner. Il faut que Israël existe. Il faut que le peuple juif existe, parce qu'il doit trouver un peuple. Et vous savez que l'Écriture nous fait savoir aussi, frères et sœurs, je vais pas aller trop loin, il faut qu'il y ait les 144 000 aussi. Donc, c'est... Alors, vous voyez-vous que l'Écriture ne peut jamais mentir. Donc, on ne peut pas détruire ce peuple, puisqu'il faut qu'il y ait les élus de Dieu là-dedans qui doivent se tenir et attendre jusqu'à ce que le deux prophètes puissent venir et leur apporter la parole. Ils vont pas prêcher dans les déserts. Donc, comme je dis, ils peuvent avoir des bombes atomiques, dormir tranquille. Israël existera, Israël restera à sa place, et Jérusalem restera donc pas à Tel Aviv. Jérusalem restera donc à Jérusalem. Il l'avait dit cela. Et vous savez ce qui s'est passé, effectivement. On a dit que la capitale d'Israël, ce n'est pas Jérusalem, mais c'était donc Tel Aviv. Et vous avez vu ce que Dieu a fait? Oui, ma soeur, c'est comme ça qu'il a fait Trump dit non. En tout cas, ça peut pas être comme ça. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Les gens se sont ligués, il dit non, c'est la capitale d'Israël. Et ça doit revenir. C'était Dieu, en fait. Nous le remercions pour ça. Que Dieu soit béni. Lisons dans Jude. Donc, Jude, c'est après
Jean, et puis 2, et puis 3, puis nous sommes dans Jude. C'est Jude 1, donc c'est dans ce chapitre, donc Jude 1. C'est vers la fin, donc avant, donc je pense avant Apocalypse, donc si vous avez, donc c'est cela, oui, donc c'est cela aussi. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est une joie de pouvoir vous avoir et nous remercions Dieu pour cela. Que Dieu bénisse aussi notre sœur, je pense que c'est la première fois que je la vois, elle est là assise. Et Dieu vous bénisse. Amen. Donc Jude chapitre 1, donc verset 1 dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été donc appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. C'est merveilleux, hein? Gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient donc multipliées. Qu'il en soit ainsi. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Nous voulons vraiment de tout notre cœur te dire merci, Père, et que ton nom soit béni encore ce soir pour ta grandeur et pour ta bonté, Seigneur. Tu n'as point d'égal, notre Dieu. Tu es vraiment le maître de l'univers, mon roi. Il n'y a personne qui peut arriver à pouvoir être comparé à toi. Nous sommes consolés, Seigneur, et nous nous réjouissons encore de tes merveilles, encore de ta bonté, Seigneur, à notre endroit, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Merci vraiment pour ce que tu fais, mais surtout pour ce que tu as fait, Seigneur, et ce que tu continues encore à pouvoir faire encore dans ces temps avec nous, Seigneur Père Saint-Dieu. Béni soit ton Seigneur, mon roi, pour ta parole. Nous te remercions pour ce que nous avons donc va lui encore, parce que la Père Saint-Dieu, que tu nous éclaires encore davantage, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, c'est un homme de Dieu et, qui, effectivement, exprime encore avec beaucoup de reconnaissance en mettant l'accent sur la chose qui est vraiment principale et qui est importante et pour laquelle, effectivement, chacun, chaque véritable croyant doit s'y accrocher, mais vraiment de toute sa force, de tout son cœur. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important, parce que la Bible nous fait savoir aussi que c'est donc par la foi que nous croyons, que nous sommes donc sauvés. Sauvés. Et cet homme ici nous fait part de cette chose qui est importante et pour, mettant donc l'accent pour que nous puissions arriver. Parce que parfois, c'est vrai que nous avançons dans les choses qui concernent Dieu et on oublie effectivement ce qui est quand même principal dans la marche, effectivement, dans notre avancement. Et cela qui fait en fait davantage défaut pour beaucoup à cause des habitudes, effectivement. Mais il faut que nous comprenions que si cette chose-là, ces points-là, n'est vraiment pas ancré en nous, tout ce que nous pouvons faire ne servira à rien. Vous vous souvenez que dans les scènes d'Écriture, il nous est dit que cette bonne parole, effectivement, cette bonne nouvelle nous a été aussi annoncée bien qu'à eux. Mais elle ne trouva pas la foi chez ceux qui... Vous vous souvenez plus? Regardez dans les Hébreux, je pense que c'est dans les Hébreux, je pense que cela, c'est Hébreux au chapitre 4. Vous étiez tout trouvé ici. Voilà. Hébreux chapitre, je pense que voilà. Hébreux chapitre 4, verset 1, il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Dans votre version, il dit qu'il ne paraisse pas exclu, c'est ça? Ça ne trouve pas exclu. Puis verset 2, il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'ils ne trouvaient pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Vous savez, la parole peut être aussi
bonne et puissante, effectivement, ainsi. Mais si elle n'est pas reçue, effectivement, comment peut-elle être reçue en réalité? Ça, c'est quand même très important que nous puissions comprendre. Comment peut-elle être reçue? C'est pour ça que nous avons lu dans les Saintes Écritures, ici, où Jude nous dit, hein, il dit, en plus, il dit verset 3, il dit, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. » Donc, ce salut, il n'y a qu'un seul salut. Et tous ceux qui l'ont reçu, tant les apôtres, tant les croyants dans les Saintes Écritures, effectivement, ne l'ont reçu que par le seul moyen. Ces saluts-là, ils l'ont reçu que par le seul moyen. Et c'est seul moyen par lequel ils l'ont reçu, ces saluts-là, c'est simplement par la foi. C'est celle qui fait cette foi, effectivement, aussi, de montrer, effectivement, aussi, ta propre nature à toi. Oui. C'est ça, la chose. C'est toujours la foi qui démontre effectivement aussi quelle est donc ta nature. Oui. D'abord, nous l'avons lu, effectivement, on dit que cette bonne parole, cette bonne nouvelle, leur aussi a été donc annoncée, mais chez eux, cela ne leur servit de rien. Parce que ils n'ont pas trouvé la foi chez ceux-là qui l'entendirent. Je crois que nous avons eu à pouvoir poser une question, je pense, c'était dimanche, en se disant, qu'est-ce qui vous rassure, que vous êtes sûr et certain que vous êtes vraiment sauvé? Il ne faut pas suivre les trains-trains comme tout le monde, en fait. Il a bien parlé du salut commun. C'est-à-dire que quand tu regardes, toi, un peu en arrière, ceux qui t'ont précédé, et qui disent qu'ils ont été sauvés. Comment ont-ils vécu, en fait? Il dit encore, je t'en dis, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors nous savons que, comme l'Écriture le dit, effectivement, c'est ça la grâce de Dieu. La foi, c'est un don qui vient de Dieu. Donc si Dieu t'a fait don de la foi, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois sauvé. Amen. Donc la foi qui vient de Dieu te donne accès, amen, donc au salut. Amen. Maintenant, sœur, si toi tu es vraiment sauvé, parce que, selon pouvoir le voir quand même dans les Saintes Écritures, il faut vraiment faire très très attention en réalité. Oui. Parce que, regardez, pour que nous puissions voir dans les livres de Jacques, c'est cela que ça doit probablement nous éclairer encore davantage. Jacques, je crois que c'est au chapitre 2. Il nous dit ici, oui, c'est quelques pages avant cela aussi. Jacques chapitre 2, le verset 14. Il nous dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Vous me suivez bien, hein? Amen. Et puis il continue de dire, la foi peut-elle le sauver? C'est la question. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que nous puissions vraiment faire très attention, ne pas prendre à la légère, parce que autrement, ce que vous faites est toujours en vain. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi si il n'a pas les œuvres?
Il pose la question aussi, la foi peut-elle le sauver? La question est là. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire encore, à quoi cela sert-il? Et puis, verset 17 dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc une telle foi ne peut pas te sauver. C'est pour ça que j'ai dit que la foi démontre qui vous êtes. La nature que vous avez en vous. Mais c'est vrai, mon frère et ma soeur. Les gens se contentent de dire, nous sommes des croyants, nous prions Dieu. Mais en fait, ils ne font pas attention. Parce que tout le monde se déclare croyant de quelque chose. Est-ce pas se déclare croyant de quelque chose, sont, par là, sont-ils sauvés? Parce que la question nous est posée, si la foi peut-elle le sauver? Il a dit poser la question. C'est ça le problème. Si cette foi est de Dieu, n'est-ce pas vrai? C'est un don qui vient de Dieu. Il est impossible que cette foi reste inactive. Parce qu'elle a été donnée pour un but. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de toi ni de moi. C'est un don de Dieu. Maintenant, pourquoi nous comprenons en réalité avec les rapports entre la foi et les œuvres, on nous dit que ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. N'est-ce pas vrai? Et puis plus loin, on nous dit, nous sommes son ouvrage. Et un cri a été créé en Jésus-Christ, en fait que nous pratiquions les œuvres que Dieu a préparées donc d'avance, en fait. Je voudrais que vous compreniez bien ce soir, c'est important, mon frère et ma soeur, parce que nous recevons la guérison par la foi. Nous recevons tout par la foi. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que Dieu guérisse. Nous voulons que cette guérison demeure en permanence, effectivement, parce que c'est ça. La foi, c'est l'homme fort qui se tient dans la maison pour épousser effectivement les diables qui viennent rôder pour dire, est-ce que tu as été guéri? Est-ce que vous suivez? Donc tu te tiens là, tu dis, je le suis. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est Dieu que je sers, il entend ma prière. Même si j'ai un bobo, je suis sûr et certain que ce n'est pas ça. C'est pour ça que la Bible dit, mais résistez donc à Satan d'une foi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Il va pas. Non, il va. Parce qu'il sait que là-dedans, parce que quand tu es ferme, il va bouger à gauche. Prêt, frère et sœur, il faut que chacun de nous tous soit sûr et certain. Il n'y a aucune maladie qui peut résister à la foi. Oui, monsieur. Et ça, c'est 100% vrai. C'est sûr et certain, ça. Le diable sait qu'il est vaincu, mais c'est par la foi. Donc nous savons que par ces maîtrisures, ce que Dieu Seigneur a fait, effectivement, nous nous accrochons à cela. Alors il nous dit ici, effectivement, il dit, nous continuons effectivement ici dans Jacques, il nous dit, verset suivant, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, vous suivez, elle est donc morte en elle-même. Donc, elle ne sert à rien. Il faut que ta foi, toi, manifeste les œuvres. Donc, les œuvres, c'est que tu as cru à quelque chose sur lequel Dieu a parlé et on le voit dans ta vie. C'est là qu'on peut dire que tu as la foi. Pas ta foi à toi, mais la foi de Dieu, en fait. Et la foi en Dieu, la foi dans l'Écriture.
Oui, monsieur, madame. Ah oui. Alors regardez bien, il continue, il dit. Mais quelqu'un, verset suivant, 18, il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai donc la foi par mes œuvres. Amen. Maintenant, verset 19, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. C'est merveilleux, je crois, j'ai lu ça dans un pays, là, je pense, il y a longtemps. Ouais. J'ai lu cela. Ah oui, je pense, il y a longtemps. Je dis, c'est vrai, dis, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Je crois que tous, vous le croyez. Il ne peut pas y en avoir deux, il n'y a qu'un seul. Et puis, l'Écriture nous dit aussi, tu fais vraiment bien. Et puis, il continue de dire, les démons les croient aussi. Et eux, ils tremblent. C'est en fait vous et moi qui ne réalisons pas la grandeur de ces dieux. C'est vrai, ma précieuse sœur, de ces dieux. Frères, nous sommes en train de jouer. Peu nous importe ce que nous pouvons ressentir dans notre corps. Mon frère et ma sœur, le Dieu que nous servons, de la Bible, il est tellement si puissant. Que les démons qui vous troublent là, qui vous tourmentent là, ils savent que quand son nom est cité, ils tremblent. Toi, tu trembles même pas. Mais les démons tremblent. Ces démons-là te causent des bobos là. Mais ils tremblent effectivement. Ils disent, mais c'est Dieu, il est tellement si puissant. Donc, si déjà les démons savent que Dieu est tout puissant, ils savent que quand Dieu dit une chose, mais ça doit partir. Le problème, c'est toi. Le problème n'a jamais été avec Dieu. Frères et sœurs, nous désirons tous être baptisés du Saint-Esprit. Mais vous savez pourquoi vous ne le recevez pas? Mais parce que vous êtes des incrédules. S'il n'y a pas, il n'y a pas, vous ne pouvez pas me dire que Dieu ne veut pas. Mes frères et sœurs, c'est Dieu lui-même qui a dit, quand tu es baptisé en son nom, la promesse est pour toi. C'est lui qui te fait la promesse. Puisse encore refuser de voir te faire donner la promesse. Parce qu'il sait lui-même que c'est important pour toi, le baptême du Saint-Esprit. Le problème ne réside pas en Seigneur. Le problème réside en toi, dans amen. Beaucoup de théories. Amen, amen. Mais c'est vrai, ça. Pouvons prendre des réunions ici pour cela. Le Seigneur va descendre. Amen. Mais quelques-uns parmi vous sortiront secs. Parce qu'il y a beaucoup de théories. Ou est-ce que c'est ça qui vous tue, en fait, l'incrédulité à la parole de Dieu. Et pourtant que tout est possible, mon frère, tu peux. Tout, mais bien sûr, c'est la vérité. Tout est possible. Vous êtes devenus tellement des docteurs dans la conscience, dans la pensée, dans ceci et dans cela. Mais en fait, avec votre doctorat là, frère, vous êtes toujours en train de pouvoir reculer. Et vous combattez avec Satan, vous nourrissez avec des pensées. Doctorat, tu l'as le doctorat. Mais tu fais quoi avec? C'est pour ça que j'aime bien le Seigneur. Oui, que c'est vrai, ma sœur. J'aime bien le Seigneur quand c'est Nicodème est venu le voir. En plus la nuit, hein. Pas les jours, parce que s'il veut les jours, on va le voir. Il dit, maintenant, non, il vient lui des nuits, effectivement. Et il lui parle, effectivement, il lui dit, mais pas, il faut l'aider de nouveau. Il dit, mais comment un homme vieux comme cela, puis il dit, mais tu es un docteur d'Israël. Tu as le doctorat, toi. Et tu ne sais pas ces choses. C'est le doctorat qui vous tue, en fait. Mais ceux qui sont simples de cœur, comme ce jour-là, ils ont simplement entendu leur cœur furent vivement touchés. Ce n'étaient pas des docteurs. C'était des hommes, des femmes simples. Qui reçurent sa parole de bon. Ah. Tout simplement sans réfléchir. On fait beaucoup de calculs. Ah, comment ça va bouger à moi? Qu'est-ce que tu as cherché à bouger en toi? Le problème, c'est que Seigneur baptise-moi du Saint-Esprit. Je vous pose la question, mon frère et ma soeur. Ces hommes-là qui étaient chez Corneille, avaient même-t-ils entendu parler du Saint-Esprit?
Il était comme ça. Il était tellement disposé simplement parce qu'on leur a dit qu'il y a un homme qui vient de la part de Dieu. Leur cœur était là disposé simplement. Pas rempli de théories, non, simplement dit, mais un homme qui l'ange a même parlé de lui, il vient respect. Et puis un prêcher la parole de Dieu simplement. Et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu, mon frère. Dans la simplicité, mon frère. C'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème. Frères et sœurs, nous devons revenir à la foi véritable. Si vous ne l'avez pas, si vous ne recevez pas, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la vôtre. Amen. Parce que l'Écriture, effectivement, c'est ça, mon frère. Nous avons besoin de pouvoir vraiment avoir confiance dans les saintes Écritures. Souvent, vous êtes toujours négatif. On a prié pour vous. Ah oui, gloire à Dieu, mais bon, ça, c'est quand même. Non, vous savez. Oui, c'est vrai, sœurs et frères, c'est sérieux en fait. Il faut que vous preniez les choses de Dieu au sérieux. Amen. Oui, c'est que nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Nous devons marcher par la foi. Amen. Vivre par la foi. Amen. Nous devons être de ceux-là. Parce que c'est ça qui fait que nous sommes des chrétiens, des croyants. Autrement, nous sommes des comédiens. Des gens qui viennent simplement parce que, bon, nous connaissons le Congo. Et puis nous savons, c'est toujours ça en fait. Mais depuis que tu connais, depuis 1800, je ne sais pas moi combien, tu n'échanges pas ta foi. Il n'y a pas de progrès dans ta foi. On ne le voit pas. Elle a fait des progrès, peut-être, à l'époque où tu as cru, oh, blablabla. Et puis après, stagné. Pas de changement. Une foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Sœurs, frères, où sont donc les œuvres? Parce que les œuvres sont donc l'expression de la foi. Ne regarde pas le voisin, mais toi-même. Toi-même. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Oui, tu fais bien. Les démons aussi, ils croient qu'il y a. Parce que Satan, ces démons, ils savent très bien que c'est vous qui mettez dans la confusion des Bouddhas, Confucius, de ceci et cela. Et vous allez Bouddha, Bouddha. Ils savent très bien. Est-ce que vous avez les oreilles ouvertes? Ils savent très bien. Pourquoi? Ils savent très bien que c'est Dieu qui les a créés. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tous ceux-là sont des fabrications des hommes, effectivement. Toutes ces religions, ils savent que ce sont des fabrications des hommes. Il n'y a qu'un seul et unique et véritable Dieu. La Bible le dit. Si la Bible le dit, c'est la vérité. Oh, rapidement. Alors, regardez très bien. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, vous savez cela, non? Que la foi sans les œuvres est vraiment inutile. Celle que vous avez, oh, je vais prier, je vais essayer. Mais frère, tu pries sans la foi. Sœur, tu chantes sans la foi. Tu viens sans la foi. Ce n'est que de la comédie. Ça ne sert à rien. Une foi sans les œuvres. Sœur, combien d'années tu pries? C'est maintenant que toi, il ne faut pas dire, c'est aller au ciel et vers le Seigneur, ce n'est pas comme quelqu'un qui dit, je dors, je crois que je vais aller. C'est-à-dire que c'est dans, oui, c'est comme des oui, et puis je me réveille, je suis déjà là-bas. Non. Tu dois être sûr et certain que déjà sur cette terre, là, aujourd'hui, tu dois avoir l'assurance que moi ici, pas l'imagination, pas tes satisfaits, non, que la foi que j'ai, sûr et certain, que quand mes yeux se fermeront, je ne verrai qu'une seule porte. Si déjà sous cette terre, tu n'as pas autant de foi, ça, mon frère, comment peux-tu espérer quand tu vas fermer les yeux?
que tu vas aller. C'est pas comme les filles, qu'on va aller des pédages, je vais t'attendre, pas bouffe, je dis, pas, c'est Dieu, puis je sais que ce sera Dieu. Non, pas du tout. On te dit bien que la foi est une ferme assurance. Voilà ce que la Bible te déclare. C'est cette Bible que tu vas trouver. Hein. Oui. Tu seras jugé par ceci. Amen. Une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que je veux le voir ce jour-là, donc je dois être sûr et certain que je le verrai. Et cette assurance-là, mon frère et ma soeur, t'est donnée par les Saintes Écritures. Amen. Oui. Parce que la foi est attachée à la parole de Dieu. La foi marche avec l'obéissance. Oui, et c'est 100% vrai. Alors quand tu obéis, tu crois à l'écriture, on le voit dans ta vie. Autrement, tu es comme un cymbale retentissant. Regardez très bien dans les Saintes Écritures, mon frère et ma soeur. Parce qu'il faut qu'on soit sûr pour ne pas espérer, pour espérer des espérances inutiles. Vaine espérance. Hein? Dans les Hébreux, au chapitre 11, ici, il est dit, mais que nous puissions comprendre. Ah, fou. Ah là là là, c'est merveilleux quand on. Il est dit ici, oh là, putain. Verset 8, il dit, vous y êtes? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire lors de son appel, quand Dieu l'appela, Abraham, quand Dieu l'appela, il dit, lors de sa vocation, effectivement, donc son appel, effectivement, obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir un héritage. La foi, il obéit. Donc la foi marche avec oui. L'obéissance à quoi? Mais c'est à la parole de Dieu. Si déjà vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, comment voulez-vous que Dieu arrive à pouvoir aussi faire quelque chose pour vous? Parce qu'il dit lui-même, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel Dieu. Voici donc Deutéronome 28, mon ami. Si donc tu obéis, donc, on obéit par la foi. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici donc les bénédictions qui sont. C'est pas que. Parce que vous pouvez être là à la réunion tout le temps, mais vous êtes toujours incrédule. Puisque quand vous sortez, toujours les mêmes choses reviennent. Ça montre que vous n'avez pas la foi. Vous n'êtes simplement qu'un religieux et que vous avez un esprit religieux. Parce que si vous avez la foi, les changements dans votre vie, dans votre marche, dans vos rapports avec vos frères, avec vos soeurs, seraient évidents. Vos progrès, mon frère, ma soeur, ça c'est vrai. Quelqu'un qui a la foi, il ne fait pas un pas devant et puis il fait trois pas derrière. Il fait un pas et puis trois fois. Et ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que la personne en question ne croit pas. Cette foi, c'est une foi illusoire dans son esprit, dans sa pensée. C'est pour ça qu'il s'est dit, mais si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, au toit de là. Vous savez, nous avons besoin d'avoir la foi. Ah, Seigneur, nous avons la parole, mais à quoi vous sert la parole sans la foi? Nous connaissons, Seigneur, nous avons beaucoup de théories, des diplômes, des doctorats là-dedans, mais là-dedans, c'est vide. Je vais vous montrer quelque chose. Dans les Saintes Écritures, toujours dans les Hébreux au chapitre 11. Il nous dit ici. Voilà. Versets 4 et 5, ou même 6 aussi. Il dit, Hébreux 11, hein, verset 4, il dit, c'est donc par la foi qu'Abel offrit à Dieu
un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Je vous ai dit que la foi démontre votre nature. C'est sûr. Allez. Vous savez qu'ils sont nés donc après le jardin d'Éden. Vous savez quand même, non? Caïn et Abel sont nés après le jardin d'Éden. Quand Dieu les a chassés les pardons, le jardin d'Éden, ils sont donc. Maintenant, tous les deux sont donc, c'était donc des croyants. Bien sûr que oui. C'était des croyants. Oui. C'est la vérité, parce que Caïn est allé faire quoi? Mais offrir aussi quoi? Non. Une offrande à qui? Bien sûr. S'il le fait, c'est parce qu'il était aussi croyant. Et il y avait une différence. Ils sont allés tous les deux pour offrir à Dieu. Il y avait une différence entre les deux. La différence s'est manifestée par la qualité de l'offrande. On nous dit ici, c'est par la foi. Et Abel a offri. Caïn, non. On n'a pas dit que Caïn a offert son offrande par la voix. Est-ce que vous suivez? Et quand Abel a offert cela par la voix, il a offert la chose exacte que Dieu voulait. Tandis que l'autre croyant, il n'avait pas la voix. Mais il a fabriqué son offrande. Ah ben oui. Il est allé donc offrir aussi, toujours croyant. C'est ça que je vous demande aussi, frère et sœur. Vous n'allez quand même pas perdre beaucoup d'années dans votre vie pour qu'à la fin, vous puissiez aller dans une mauvaise direction. Je veux quand même que comprendre, frère. Personne ne sera surpris. Parce que toi, en l'occurrence, sur la terre, faut pas te mentir toi-même. Amen. Tu peux quand même mentir les autres, mais quand même pas toi-même. S'il y a quand même quelqu'un qui te connaît, c'est quand même toi-même. Amen. Si tu es fou, que tu n'as vraiment pas la foi, c'est toi-même quand même. Tu le sais donc, tu ne seras pas surpris. Amen. Si tu dois aller à l'enfer, tu ne seras pas surpris. Amen. Donc sur cette terre, dès maintenant là, vous le savez, chacun de vous, oui, ma soeur. Personne n'a pas dire, non, Seigneur, oh Jésus, je vais aller aussi. Tu sais au fin fond de toi que non, en tout cas, dans ta condition à toi. Sûr, tu le sais. Que dans cette condition, Dieu, en tout cas, je ne me vois pas au ciel. Mais je crois, je vais aller au ciel. Ça, tu forces quelque part. Sœur, frère, le temps est fortement avancé. Destination à toi, ta manière, tu le sens, tu le sais. Alors il dit ici, verset 4, il dit, il continue, il dit, mais c'est pas la foi qu'Abel offrit donc à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle aussi qu'il fut déclaré juste. Depuis les débuts, hein. Dieu n'a jamais changé. Je dis, mon juste, donc le juste vivra toujours par. Donc quand tu as la foi, tu justifies que Dieu est vrai. C'est pour ça que j'ai confiance en lui. Dans toutes les circonstances, peu importe, qu'il vente dehors, qu'il vente à l'extérieur, que je sois secoué, j'ai confiance en Dieu. Parce qu'il est vrai. Alléluia. Oui, mon frère, ça c'est la foi. Quand j'ai la foi, je ne suis pas comme qu'on dit, comme ça, non. Quand ça ne va pas très bien, hein, on ne te voit pas. Non, quand j'ai la foi, qu'il vaille, qu'il aille bien, ou mal, ou difficile, alléluia, je me réjouis en lui, mon frère. Je le loue. Oui, frère, même si la mort me frappait, je le loue encore. J'ai dit, tu es Dieu, parce que la mort n'a plus de pouvoir sur moi.
Ça, c'est la foi, mon frère. Tu es censé avoir cette foi. Ma soeur, quand on prie pour toi, tu es censé avoir cette foi parce que tu es une fille de Dieu. Mon frère, la véritable foi, tu es censé pouvoir l'avoir. Plus de murmures, plus de ceci ou de cela, mais simplement glorifier Dieu. Chaque frère, chaque soeur, on doit vivre par la foi, mon frère. C'est ça qui témoigne que sur cette terre, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Autrement, ce que tu fais, ce n'est qu'une comédie. Ah oui. David dit, mais examine-toi, toi-même, pour voir si tu es vraiment dans la foi. Tu peux t'examiner, mon frère. Pour voir où tu en es, Seigneur. Parce qu'on nous a dit que une foi sans les œuvres, elle est vraiment inutile. Elle ne sert à rien. Ah oui. C'est pas moi, c'est la Bible. Il a déclaré aussi clairement. C'est ce que Dieu dit. Nous continuons. Le dit. Dit. C'est ce qu'il dit. Qui fut déclaré donc juste. Donc Dieu approuvant donc ses offrandes. Et c'est par elle qu'elle parle encore. Quoique mort. Toujours par la foi. Vous vous souvenez, non? Oui. Verset 5. C'est cela que je voulais aussi que vous puissiez voir. Il nous dit. C'est par la foi, toujours, hein, par la foi, que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Alléluia. Car avant son enlèvement, il a reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc pour ton enlèvement. Alléluia. Mon frère et ma soeur, nous attendons cet enlèvement avec beaucoup de joie. Mais il te faut la foi. La foi, mon frère. Ma foi, la foi, la foi. Pas ta foi à toi. Mais c'est parce que Dieu t'a donné cette foi. Sœur et frère, pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré, oui. Amen. Et la Bible te déclare effectivement dans Jean 7, c'est notre foi, notre foi qui triomphe de ce monde, oui, qui triomphe des démons, de tout, mon frère. Dans ta maison, tu as besoin de la paix, la foi que Dieu t'a donnée. Alléluia. Oui, monsieur, oui, madame. C'est ce dont nous avons besoin. Avoir cette foi en Jésus-Christ, notre Dieu. Je bénis le Seigneur, notre Dieu, pour nos enfants ici. Ah oui, oui, oui. Il faut un puissant même pas. Si tu es au courant, par amen. Non. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Oui, oui, parce qu'il a fait. Ses deux enfants, Sarah et Noah. À l'école, mon frère et ma soeur. Écoutez très bien, c'est important parce que il y en a de ceux qui, oui, parce que mon travail, on dit, parce qu'on fait ceci, je peux pas faire autrement, je suis obligé parce qu'il dit, mais ces deux enfants sont à l'école. Dans leur école, on leur a dit, maintenant, bon, pour vos études, pas de réussir. Quand même, il faut un stage dans l'école. Et dans ce stage, c'est absolument obligatoire. Il y a ce qu'on appelle un uniforme. Et cet uniforme-là, oui, il faut ici la chemise bord de bout, mais là-bas en dessous, les pantalons. Oui, ce sont des enfants. Ils pouvaient dire, oh, mais personne ne nous voit ici, nous sommes à l'école, ainsi de suite. Alors, comme ils sont dans la maison de Dieu, ils entendent la parole de Dieu.
Elles savent qu'effectivement que l'obéissance à la parole de Dieu est la chose que nous devons faire. Frères et sœurs, vous prenez des prétextes. Vous qui êtes âgés, ceci est un témoignage pour vous. C'est un stage pour leurs études, leur futur aussi. Ils sont partis, ils ont dit, madame, nous ne pouvons pas porter de pantalons, ça ne va pas dire. Oh, mademoiselle, non, vous n'êtes pas celui-ci, tout le monde doit porter, pas autre chose, vous êtes obligé de porter ce qu'on appelle les pantalons pour les stages. Autrement, stage pour vous. Et les enfants, que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, 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 ça c'est. Je suis heureux, reconnaissant au Seigneur la voix des enfants comme ça, à leur âge, avec foi comme ça. Et ils sont venus me voir pour me demander, nous avons un petit problème. J'ai dit, quoi chérie? Ils disent, les soucis, c'est que je les aime bien. Ils sont venus toutes les deux. S'asseyant toutes les deux, ça va, j'ai dit, quand je suis content de vous dire, nous avons un petit problème. J'ai dit, quoi chérie? Il dit, mais le problème, c'est que à l'école, nous devons faire un stage. Ce stage dure quand même longtemps parce que j'ai aussi en partie ici, mois de décembre aussi, c'est pour les études, tout ça, puis nous faisons. Mais dans ces stages-là, c'est bon, mais le problème, c'est que on nous oblige de porter l'uniforme. J'ai dit, bon, c'est l'uniforme. Il dit, mais le problème, c'est que les hauts, c'est normal, mais les bas, c'est un problème. C'est le pantalon. Nous avons été voir la directrice, enfin, pour le président, ils nous ont dit non, niet, vous devez mettre le pantalon, c'est obligatoire l'uniforme. Mais nous, le pantalon, ça ne passe pas. Alors nous voulons que tu pries pour que vraiment que le cœur soit changé là-bas et qu'on puisse quand même avoir. Vous savez, c'est touchant quand vous voyez son jeune venant, ils pouvaient dire, bah, qu'est-ce qu'on en a fait, nous sommes jeunes. Quand vous prenez peut-être, nous sommes jeunes, on peut quand même porter. Puis bon, de toute façon, c'est à l'école, on porte les pantalons, et puis quand on sort, on met nos jupes, personne ne nous voit. Ce n'est que ça. Et puis on dit, c'est quand même les stages, puis bon, Dieu comprendra, Dieu ne comprend pas ça. Eh oui. Bon. Je priais pour elle. Elles sont parties. Je ne sais pas s'ils ont encore parlé. Et la dame a dit, non, monsieur, vous devez porter quand même, c'est des pantalons, pas autre chose. Elles sont revenues. Il dit, mais nous avons été voir la directrice. Il a dit, non, pas de jupe, rien que des pantalons. Elle dit, pas des pantalons. J'ai dit, écoutez, vous inquiétez pas. Le Seigneur prend soin. Nous avons prié, non? Alors j'ai dit, voilà, allez-y voir votre maman Mariette. Achetez les tissus, c'est Lise qui est partie, je pense que c'était Lise. Achetez les tissus. Vous ne dites rien. Vous donnez seulement votre mari, les pantalons, les tissus là-bas. Elle va vous coudre de jupes. Eh oui, c'est ce que j'ai dit. Elles sont là, oui. Blanche, comme ça dit, bon, vous avez l'uniforme, le dessus c'est blanc, jupe blanche. Donc, on va vous coudre cela. Il dit, quand on va vous coudre cela, vous mettez un uniforme. C'est-à-dire en jupe. Les jours de stage là, vous vous mettez bien là-dedans et puis vous sautez et vous y allez pour pouvoir. Maintenant, vous dites rien, personne pas dire madame, regardez, non, vous allez simplement comme ça. Ce qui est merveilleux avec nos enfants, ils obéissent tellement. Ah oui, ça c'est vrai. Ils n'ont pas commencé à cogiter, non, ils ont obéi avec beaucoup de respect. Et là, mon mari t'a fait ça. On est venu pour déposer les vêtements. Et matin tôt, nos enfants se sont mis en jupe. Ah oui, jupe longue, ça. En jupe là. Alors il dit, bon, si, ah non, je les aime, ces enfants. Ah là là là. Ah non. Ah, Jésus, mon roi. Il est vraiment bon, ma soeur. Je vais vous dire une anecdote que j'ai entendue. Alors les enfants s'étaient vraiment mis en jupe, effectivement. Et ils partaient. Et puis, je crois que c'était Noah qui te parlait. Je crois que j'ai entendu la maman qui dit. Alors Noah qui dit, bon, parce que là-bas, il dit, mais nous ne nous mettrons jamais en pantalon. Et si on nous force de mettre un pantalon, alors là, on va faire comme si on était en malaise. Donc pour Dieu, ils étaient prêts même à dire, oui frère, on va faire une sorte de malaise.
Nous, pantalons ici, ça n'entrait pas. Si là, si mes pantalons noirs. Ah, j'ai dit Jésus-Christ mourra jusqu'à ce point. Ces enfants ont tellement confiance que s'il faut mourir, on meurt, ça met des pantalons. Mais à leur grande surprise, quand elles arrivaient avec leurs jupes, hein, toute l'école était en pantalon. Mais les deux, la jupe, la dame de l'église le regardait, et puis se disait, mais mon Dieu, il nous regarde comme ça, qu'est-ce qu'on va dire? Et quand ils sont arrivés, la dame lui dit, mais mademoiselle, vous êtes tellement jolie. Il dit, c'est joli. On n'a jamais vu ça. Ah, il dit, c'est tellement beau. Tous les hommes aujourd'hui, on les appelle les demoiselles en jupe. Voyez vous aussi. Notre Dieu est plus que. Ça, c'est ce qu'on dit. Les œuvres manifestent la foi. Donc, ils ont mis la jupe, ils disent pas de pantalon ici. Et ils sont allés à l'école avec du jupe. Et quand on les a regardés, Dieu a touché les cœurs. Il a changé le cœur même de la directrice. Ils sont maintenant appréciés. Il dit, mais on n'a jamais vu ça, c'est joli. Mon frère et ma soeur, nous devons avoir foi en Dieu. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons vraiment te dire merci. Seigneur, réveille-nous. Nous ne sommes pas comme tous les autres, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. T'en as à avoir peur de bichiter un peu ici, la peur là, par-ci, par-là. Être des gens qui marchent comme s'ils étaient sans Dieu, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Alors que tu as dit, invoque-moi dans ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras, mon Dieu. Nous ne sommes pas un peuple à compromis, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais nous sommes un peuple qui doit vivre par la foi. Nous te remercions encore aujourd'hui. Bénis ton peuple, mon roi. Fortifie-les, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons marcher avec toi. Par la foi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous accrocher à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Souviens-toi de nous. Dans ta grande bonté, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, réveille-nous encore davantage, mon roi, que nous puissions réaliser, Père Saint-Dieu. C'est vrai, les gens se plaignent toujours. Mais se plaignent toujours, pensant que Dieu est incapable, mon roi. Mais Dieu est capable, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Le problème, c'est notre foi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh, soutiens nos pères. Nous voulons revenir à genoux, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. C'est là la voie par laquelle tu nous accordes la grâce, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Revenir à genoux, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et vivre, Père Tibissant, les expériences avec toi. Par la foi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Que notre foi puisse encore augmenter encore davantage, mon roi. Nous voulons la foi par les hommes, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Avec les hommes, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Père, puisses-tu nous aider encore, mon sauveur. Merci parce que tu l'as fait, mon roi, et tu le fais encore aujourd'hui. Merci parce que tu vis, mon sauveur. Et merci parce que tu es toujours le même, mon bien-aimé Père Saint. Et ce soir, nous te disons encore merci. Garde ton peuple, mon roi. Nous ne voulons plus les théories, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Nous voulons vraiment avoir la pratique, mon bien-aimé Père Dieu. C'est par la foi, Père Saint-Dieu, que nous marcherons, bénémoine, Père Saint-Dieu, et nous continuerons encore la marche, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. C'est comme cela que nos vies seront changées, nos vies seront transformées. C'est toujours par la foi dans ta parole à toi. Oui, Père, nous te disons merci, mon roi. Peu importe, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, c'est dans cette foi, comme les trois Hébreux qui disaient, Père Saint-Dieu, Père Saint, il disait, Seigneur Dieu, sache au roi que notre Dieu est plus que capable. Sois béni, mon roi. Tu as la capacité de nous sauver même de la fournaise, mon roi. Ils savaient que c'était là, le feu, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Mais ils avaient confiance en toi. Ils ont avancé avec foi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Sachant que le feu était là, mais tu es le Dieu qui veut contrôler le feu, mon roi. Et tu l'as fait, Père Saint-Dieu, parce qu'ils avaient la foi. Merci pour tes enfants aussi, bénémoine, Père Saint-Dieu. Que tu les bénisses, mon roi, pour leur foi. Sois béni, mon roi. Oh Dieu, leur foi fait que toute l'école t'a honoré, Seigneur.
Ils ont vu la différence, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Que tu les bénisses, que tu les gardes encore davantage, mon roi. Tu les fortifies, bénémoine Père Saint-Dieu. Oui, parce que tu es réellement le Dieu qu'elles ont honoré, bénémoine Père du sang. Et tu as confondu, Père Saint-Dieu, les âmes. Louange et honneur à toi. Parce que tu es vivant, mon bénémoine Père. Je te suis reconnaissant. Merci. Merci, Père Dieu. Agis encore, oui, Père. Nous te disons merci. Seigneur, que la foi de ton peuple ne faiblisse pas, mais il augmente davantage, mon roi. Que nous abandonnons la vue, mais que nous passons par la foi. Oui, Père, en marchant avec toi toujours, par la foi et en croyant, Père Saint-Dieu. Père Saint, nous te remercions, Père Dieu. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Réveille-nous, Père, et soutiens-nous encore. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Oui. Merci. Gloire te soit rendue. Merci. Gloire à toi. Gloire te soit rendue. Merci pour ta bonté. Merci, mon roi. Tu es le maître de l'univers. Et je te suis reconnaissant. Agis encore et soutiens encore. Touche et ramène un peuple qui est à toi et il marchera avec toi par la foi. Et nous voulons l'être, mon sauveur. Finis la comédie, mais nous voulons vraiment manifester qui nous sommes, notre nature, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te croyons. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons prié ainsi au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes heureux. Hein? Donc, par la foi, nous marcherons. Hein? Alors, que Dieu vous bénisse. La chorale, vous la connaissez, non? Mon frère, c'est frère Zaché, viens avec la chorale. Que Dieu vous bénisse richement. Oui, que le Seigneur soit béni. Vous pouvez vous lever pour chanter. Tu connais les cantines, non? Ils vont t'aider.